Merci d'être là, madame, monsieur. Bonjour. Nous sommes mercredi, notre coach en bien-être est madame Nefer Bonti et nous allons parler du respect comme protection naturelle et consciente. Le respect de soi, le respect d'autrui également, on en parle, ce sera pour tout à l'heure. DCM, le couloir est bourré à craquer. Les personnes sont nombreuses à vouloir s'adresser à vous. Apparemment, l'entame du week-end a déjà commencé, il faut vous préparer afin que vous soyez nombreux à vous manifester durant le week-end et les jours à venir. Elle s'appelle Myria Sayo, il s'appelle Nguessan Tano et c'est la programmation qu'il nous propose. Merci d'être là. Madame Nefer Bonti, le respect comme protection naturelle et consciente. Oui. Alors, c'est un sujet, je veux qu'il soit plus dynamique. Hein. Je l'aborde franchement. C'est-à-dire que le respect est un moyen pour nous, son utiliser. Parce que quand on inverse l'équation, on voit le respect comme pesant, c'est un devoir, mais il ne vous apporte rien, vous ne voyez pas l'efficacité. Mais quand il est abordé sous l'angle de protection, et de protection naturelle et consciente, ça veut dire c'est une protection qui est naturelle. Parce que ça émane de vous, vous n'avez pas besoin d'autre chose, c'est que de vous-même. Et c'est conscient parce que vous pouvez réitérer. C'est-à-dire que l'exploit que je fais en utilisant le respect de façon adéquate, je peux rééditer l'exploit. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a formulé comme ça. Alors, vous dites que le respect de la protection naturelle, en quoi ça nous protège? Le respect nous protège parce que nous sommes nés pour évoluer. Hein. Nous naissons, nous devons progresser. Alors, sur notre chemin, il y a des aînés. Par exemple, en âge, en expérience, en connaissance et
ont bien d'autres talents. Et donc, à quoi cela sert de je veux dire, ce qui est tout près de nous, qu'on peut, on peut recevoir un don simple et nous charger de cela, évoluer. Pourquoi tourner le dos à cela? Tout simplement parce que nous n'avons pas la délicatesse d'accorder à celui qui doit nous donner quelque chose le respect. Toute vie est échange. Donc, dans l'axe de la communication, il y a ceux qui sont au-dessus de vous, il y a ceux qui sont en fait. C'est un axe. Il y a ceux qui viennent après vous. Alors, ceux qui viennent avant vous, à qui vous devez de l'égard, parce que le respect, c'est ça, la considération, l'égard. Si vous ne leur donnez pas la considération, vous n'avez pas leur protection. Ce n'est pas une protection au sens, on a tout matérialisé ici, quand on entend protection, c'est un gris-gris, voilà. Non, non, la protection, c'est la bienveillance que l'aîné a pour vous. Il est sensible à votre évolution, il vous apporte naturellement ce dont vous avez besoin. Et ça vous, c'est des raccourcis, ça vous évite de fouiner longtemps, vous recevez avec grâce et bénédiction. Donc la protection est un moyen, le respect est un moyen, il faut activer dans ce sens-là pour qu'il nous apporte quelque chose. Et quand vous parlez d'une protection consciente? C'est une protection consciente parce que, écoutez, c'est comme toute chose. Celui qui marche tout simplement pour aller au travail, c'est bien. Mais celui qui développe les techniques de la marche pour en faire une activité, il peut compétir. Et donc, il y a ces deux dimensions. Il y a le respect qui est naturel. Écoutez, quand vous voyez une force, vous respectez. Mais ça, c'est opprimant. C'est parce que vous avez vu quelqu'un de violent en face que vous respectez. Mais si vous avez déployé, vous avez développé cette qualité-là, de respecter, d'accorder à celui à qui revient l'honneur et l'égard, mais automatiquement, toutes les portes, si nous considérons que ces personnes qui ont quelque chose pour nous sont des portes qui peuvent s'ouvrir, alors les portes s'ouvrent pour nous. Les peurs commencent à baisser. Quand on arrive quelque part, on sait comment s'en sortir. Parce qu'on sait accorder le respect à qui mérite le respect. J'en parle parce que c'est un sujet sur lequel je voudrais insister, parce que beaucoup de jeunes gens nous abordent. Parce que c'est tout à fait normal. Mais vous savez, la façon de frapper une porte détermine comment elle s'ouvre pour vous. Si vous frappez une porte avec un coup de pied, des fois c'est le coup de poing qui vous reçoit. Tout à fait. Donc je voudrais m'adresser aux jeunes gens surtout. Quand vous adressez à quelqu'un qui est plus âgé que vous, en plus nous sommes en Afrique, ayez du l'égard pour cette personne, parce qu'elle est plus âgée, parce que vous pouvez l'irriter facilement. Voilà. La langue française a prévu le vouvoiement aussi. C'est une distance de protection pour nous. Mettez cette distance entre les personnes que vous respectez et vous. Sinon, ces personnes, leur colère peut être fatale pour vous. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire en parlant du vouvoiement, qui est une distance. Mais j'ai remarqué qu'en Afrique, ici chez nous, lorsque l'on dit « vous », c'est un ton un peu, pas du mépris, mais trop de distance. Parce que le vouvoiement va avec le fait que, en Afrique, on aime dire tout le monde tonton, tanti. Oui. Moi, par exemple, je sais que je disais au début à mes enfants, c'est pas ton oncle, c'est pas ta tante. Tu dis monsieur et tu dis madame, par correction. Et j'étais honteuse de réaliser que les personnes concernées disaient aux enfants, mais attends, c'est moi qui t'appelle madame là. Regarde, moi je n'aime pas ça, hein. Hein? Donc finalement, je réalise que la personne le prend mal. Le vouvoiement et puis le fait de respecter en disant monsieur, madame et non pas tanti, tonton. Bon, ce sont des contextes, hein. Il faut faire avec le contexte là où on est. Si c'est une relation de voisinage, de parents et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais j'en parle parce que la plupart des jeunes gens qui nous abordent nous voient à la télé. C'est vrai que le visage vous semble familier parce que l'image va très loin à l'intérieur de vous. Mais quand vous rentrez en contact téléphonique avec la personne, protégez-vous. Vous voyez la personne d'abord. Ne commencez pas par l'amitié. Parce que l'amitié, vous ne pourriez pas supporter l'axe d'amitié avec une telle personne. Je m'explique. Par exemple, vous, Mariam, vous avez vos amis qui sont censés avoir le même niveau que vous, qui sont censés avoir des réactions face à vos attaques, si ça arrive. Tout à fait. Donc, il y a un équilibre. Mais un enfant ne peut pas. Voilà. Donc, il faut se protéger parce que, en plus, vous demandez quelque chose. La plupart de nos jeunes gens ne savent pas demander. Et ça, je voulais insister. Je voulais inviter vraiment les enseignants, les parents à insister là-dessus.
Alors, si j'ai bien compris, par rapport aux émissions que l'on fait, le fait que vous donniez votre numéro à l'antenne, oui. Vous avez beaucoup de jeunes gens, oui, qui vous appellent et puis qui vous prennent pour leurs camarades, comme on dit vulgairement. Voilà. C'est-à-dire qui vous tutoient, qui vous dit presque on dit quoi. Voilà. Donc, ça tue déjà l'ambiance. Vous mettez la personne qui est censée vous... En position défensive. Voilà, qui est censée vous donner le meilleur de lui-même. Mmh. Vous le mettez en position d'ami. Un ami, on ne donne pas de conseils. Mmh. On ne donne pas de conseils à un ami. Mmh. On est des amis. Ou du moins, ce n'est pas sous cette forme. Vous attendez des principes efficaces dans vos vies. Mmh. Donc, laissez la personne à la place qu'elle a pour qu'elle puisse vous aider. Si vous en faites un ami, c'est floué depuis... L'introduction, la façon d'entrer en contact avec les gens. Mais tutoyer quelqu'un que l'on ne connaît pas, c'est un manque de respect aussi. Nos amis nous tutoient naturellement. Qu'on si ne le contexte n'est pas apprêté, voilà, si le contexte n'est pas apprêté, c'est automatique. Hein. C'est comme quand quelqu'un, même si vous ne le connaissez pas, qu'il estime que vous êtes de la même trempe, vous travaillez dans le même domaine, vous avez le même âge, vous tutoie, ça passe. Ça passe parce qu'il y a des repères. On se dit, à peu près le même âge, à peu près... bon, ok, ça tout passe automatiquement. Ou bien si chacun a garé une grosse cylindrée, voilà. Bon, on a des affinités. Voilà, on a des affinités, mais ça saute aux yeux. C'est pas votre ami, ni en âge, ni en quoi que ce soit. Et vous voulez quelque chose. C'est la distraction. Vous commencez à étaler vos agressivités. C'est agressif. Ce sont des lacunes aussi. Voilà, ce sont des lacunes. Dans la culture, dans la connaissance, voilà. Dans le respect. Surtout dans la culture africaine. Donc, il faut faire beaucoup attention. J'invite les enseignants, les parents et tous les éjecteurs de conscience à insister là-dessus. Parce que quand le premier contact est faussé aussi, il est difficile souvent de rattraper. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de rattraper, justement. Quelqu'un de votre âge peut rattraper. Allô, Mariam, écoutez, tout à l'heure, vous êtes où là? Je prends un pot. Il peut rattraper. Parce que il suppose que vous compreniez ce qu'il a, le geste qu'il a fait, parce que ça pourrait vous arriver. Donc c'est pas tolérable, c'est difficile à tolérer quand c'est les plus jeunes. Donc c'est un constat qui est récurrent. Ça arrive souvent. Je me mais rends comment compte vous que réagissez quand c'est comme ça. En général, si c'est par SMS, je lui dis non. En général, je peux fermer complètement, terminer. Et quand c'est un appel, vous appelle et puis vous tutoie. J'écoute ça d'abord, son discours, et puis des fois je lui ramène à lui-même. Qu'il réfléchisse. Non, je vais le ramener à lui-même. Je peux lui dire, écoutez, vous êtes sûr de ce que vous voulez? Vous êtes très sûr de... Je vous laisse une question ouverte qui vous permet de réfléchir. Donc, ça force ne poussez pas quelqu'un qui doit vous aider. Mettez dans la position qui vous aide. Vous avez ce pouvoir-là, même si vous avez 2 ans. Vous le mettez, c'est ce taxe-là que vous activez pour vous. Et c'est valable pour d'autres domaines. Quand on veut quelque chose, on a parlé de l'ordre en nous. Il y a des priorités que nous oublions. Nos attitudes ne coïncident pas avec ce que nous voulons. Tout à fait. Voilà. Vous voulez quelque chose, vous voulez qu'on vous aide pour que la vie vous soit facilitée. Mais la personne qui est censée le faire doit le faire et de façon efficace. Tout à fait. Ne la distrayez pas avec souvent nos petites lacunes qu'on élève comme des petits serpents. Ils deviennent de grands serpents après. Et donc, il faut se revoir. Le respect est une âme. L'Afrique l'a adopté. L'Afrique l'a adopté, le droit d'aînesse. Je ne dis pas qu'à tous les coups, mais bien utilisé, je vous assure, ça vous ouvre des portes. D'accord. Quel est votre mot de conclusion? Mon mot de conclusion serait d'insister là-dessus, parce que c'est tellement récurrent, c'est tellement... je ne sais pas comment dire, mais je veux dire, c'est frappant, on se dit, mais attends, comment on peut évoluer avec tant de contradictions en nous-mêmes? Voilà. Tant de contradictions affichées à tous les carrefours, à toutes les escales. Donc il faut faire attention que les enseignants insistent là-dessus. C'est vrai que ce n'est pas évident, qu'il faut une certaine formation, mais approchez-vous des gens qui doivent vous aider. Et on n'a jamais honte d'apprendre. Si vous n'avez pas eu à la base la chance d'avoir une éducation inclinée dans ce sens, mais on apprend. Vous êtes adulte maintenant, vous votez et tout ça, donc il faut. Oui, on revendique des droits, mais il y a des devoirs. Il y a des devoirs qui vont avec. Il faut être un citoyen. C'est des petites choses qu'on doit régler. Approchez-vous des spécialistes qui vous aident. Vous pouvez en faire même un cheval de bataille. Et donc, ça va vous ouvrir toutes les portes que vous désirez. D'accord. On vous joint comment? Par le 08. Sans vous tutoyer? Non, c'est possible, mais je veux dire, c'est le 08. 14 86 67. Je reprends. 08 14 86 67. Je vous remercie, madame. Merci. Bonne journée. Prochaine. À bientôt.
Andinko à notre transition suivante et nos deuxièmes, on les reçoit. Sois nous qui ont perdu espoir. Diallo ami, sois forte. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse, Yahvé. Tu m'as promis le mariage. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse, Yeshua. Tu m'as promis le voyage. Papa, eh, papa, tu m'as promis la santé. Papa, eh, papa, tu m'as promis la richesse. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse. Tu as promis la paix au monde entier. Dans mon foyer, cette année-là, ça va se réaliser. Seigneur, je veux rouler dans une belle voiture. Je veux dormir dans la ville là-haut. Seigneur, je veux connaître Paris. Je veux faire escale à Londres, transiter en Amérique, annoncer ton évangile. Je veux connaître l'Afrique du Sud, parler à Mandela et annoncer ton évangile. Je veux connaître l'Amérique, je veux parler à Obama et lui annoncer ton évangile. Soutiens-moi. Je veux connaître Gabon, Ali Bongo, Dimba et lui annoncer ton évangile. Monsieur Silver Tala, vous êtes avec nous. Bonjour, monsieur, bonjour. Bonjour, Marie. Nous parlons de croisade, de prière et de guérison. Oui, bonjour chers téléspectateurs. Il faut dire d'emblée que vous devez retenir une date, celle du samedi 5 octobre 2013. Un événement, ce sera la grande croisade de prière, de délivrance et de guérison. Ça va se passer au lycée moderne La Colombe de Kumasi-Ramblay entre 9h et 15h. Il faut dire que c'est une croisade qui est organisée par le cabinet spirituel, charismatique et médical du docteur Ediassi. Et là-dessus, nous avons un thème. Marie, Notre-Dame des Victoires. L'orateur principal, évidemment, ce sera le docteur Etiassé lui-même. La cible, c'est toute personne humaine, en fait. Quand Marie fait ses grâces, elle ne trie pas selon les religions ou la région, la race, non, rien de tout ça. Donc, si vous avez des problèmes de santé, des problèmes de tout genre, vous faites le déplacement. En fait, il faut venir voir, parce qu'il y a des gens qui disent, est-ce que ce n'est pas de la publicité? Non, venez voir, vous allez constater vous-même, parce que d'ailleurs les journaux en parlent si vous suivez l'actualité. Très bien, et c'est quand vous avez dit? C'est le samedi 5 octobre au lycée moderne La Colombe entre 9h et 15h. Donc c'est ce samedi? Oui, mais il faut dire que comme c'est le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire chez les chrétiens catholiques et donc c'est une occasion vraiment rêvée pour venir confier tous nos soucis à la Vierge Marie qui se chargera de défaire tous les nœuds de notre vie. De 9h à 15h samedi? 9h à 15h, oui. Vous nous rappelez la localisation? Le lycée moderne La Colombe? Oui, le lycée moderne La Colombe est situé au quartier Kumasi-Ramblay. Mm-hmm. Quand vous partez dans le prolongement de la paroisse Sainte-Bernadette, en entrant dans le Ramblay, sur la droite, vous ne pouvez pas vous tromper. Ce n'est pas caché du tout. Vous vous renseignez, vous allez tout droit au lycée moderne La Colombe. D'accord. Rendez-vous est pris. Vous avez une conclusion et des contacts? Oui, bien sûr. Quelle ambiance
quelle est l'ambiance qui règne lors d'une croisade du cabinet spirituel, charismatique et médical du docteur Etiassé? Eh bien, il faut dire que c'est une ambiance conviviale, c'est une ambiance de prière au cours de laquelle on vous écoute et de guérison effective. J'insiste là-dessus parce que avec docteur Etiassé, il faut faire le déplacement pour venir voir. Il y a effectivement des guérisons, des boiteux qui marchent, des aveugles qui recouvrent la vue. Je n'exagère pas. Faites le déplacement, vous allez constater vous-même et ce sera le samedi 5 octobre au lycée moderne La Colombe. Les contacts, Mariem, il y a le 21 56 35 17, 21 56 35 17 et le 47 98 11 60. On a aussi un site web qu'il faut visiter, www.messagerdelavierge-marie.com. www.messagerdelavierge-marie.com. Merci à vous. Merci, Mariem. Monsieur Kamara Issa, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Madame Touré Mawa, madame, bonjour. Bonjour. Nous parlons de l'investiture du président national des ferrailleurs de Côte d'Ivoire, monsieur. Oui, oui. Mais, bien, merci, madame. Merci à vous. Avant de parler de l'investiture, permettez-moi de remercier alors, notre ministre de tutelle, monsieur Jean-Louis Billon, qui est ministre du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, qui a bien voulu accepter de présider. Oui, qui a bien voulu accepter de présider cette cérémonie. Je remercie également alors, notre parrain, monsieur le ministre alors, d'État, monsieur Ahmed Bawayo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, alors, qui a bien voulu aussi accepter de alors, parrainer la cérémonie. Très bien. Alors nous remercions également notre sponsor officiel. Non, qui... on ne peut pas citer. Ah, d'accord. On ne peut pas citer le sponsor. D'accord, d'accord. On en vient au fait. Ouais. Alors, en quoi consiste cette investiture et qui est le président national des ferrailleurs de Côte d'Ivoire? Bien. Le jeudi 27 juin 2013, il y a eu une assemblée générale élective alors, qui a réuni alors, un bon nombre, disons un grand nombre d'associations et syndicats de ferrailleurs. On va devoir aller plus parce que la dame va intervenir. Oui, ok. Allez-y. Voilà. Donc, à l'issue de ce... Assemblée générale élective, M. Mamadou Koné a été élu comme le président national de tous les ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Très bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Quel est le contenu de l'investiture qui aura lieu le 5 samedi prochain? Voilà, ma collègue, Mme Mawa Touré, alors, va vous passer Madame, va vous présenter le programme. Merci, Mariam. Mm-hmm. Bon, le contenu, c'est d'abord à 9h, la mise en place des membres de la FINAFERSI. À 9h30, l'installation des invités. À 10h, arrivée des officiels. À 10h30, accueil du président et du parrain. À 11h, le mot de bienvenue du maire de la commune du Plateau. Et à 11h15, allocution du président du comité d'organisation. 11h30, discours du président de la Chambre des métiers. 11h45, le discours du ministre du Commerce, de l'Artisanat et des PME. À midi, nous avons l'investiture du président de la FINAFERSI, M. Mamadou Koné. Très bien. À midi 15, nous avons le mot du président investi. À midi 30, l'allocution du parrain. À 13h, le cocktail. Vraiment, nous invitons tous les ferrailleurs et ferrailleuses à venir massivement assister à cette grande cérémonie, compte tenu de l'importance de l'événement, la présence de tous. Et vivons sur terre. Alors, dites-nous si on se trompe ou pas. Oui. Un ferrailleur, c'est quelqu'un qui travaille le fer? Oui, oui. Un ferrailleur, bon, c'est quelqu'un qui travaille les métaux, ferreux, non ferreux. Et c'est la ferraille est une chose. Bon, un ferrailleur, alors c'est quelqu'un alors, qui travaille sur les déchets de métaux. Voilà, les métaux ferreux et non ferreux. Voilà. D'accord. C'est ce que l'on voit communément. Ils ont fédéré, vous avez fédéré aujourd'hui. Voilà, nous avons fédéré. Mieux organisé. Mmh. Voilà. Parce qu'on dit souvent la casse des ferrailleurs. Tout ça, c'est voilà, cette c'est corporation ça. Qui est organisée aujourd'hui. Voilà, c'est ça. D'accord. Organisé voilà, c'est l'ensemble même de la corporation. Il n'y a pas que la casse seulement. Oui. Il y a alors, ceux qui font la récupération aussi. Bon. Ceux qui vendent les pièces. Voilà, ceux qui vendent les pièces usagées. Voilà, tout. D'accord. Ça fait bizarre de bonne dame là-dedans. Oui, oui. Non, c'est la présidente des femmes ferrailleuses de Côte d'Ivoire. Ah, il y a des femmes, comment oui, on dit on ne dit pas ferrailleuses. Ferrailleuses, oui. On dit ferrailleuses. Oui, oui, on dit voilà. Ferrailleuses. D'accord. Donc vous vendez les pièces détachées. Oui. D'accord. Les pièces détachées, la ferraille. C'est un métier d'homme, donc non, c'est pas oui, un métier oui, d'homme. On a aujourd'hui près de 800 femmes dans ce corps. D'accord. J'ai fait l'investiture la dernière fois des femmes d'Abobo à Niamampé 18. D'accord. Ainsi de suite. Bon. Très
Très bien. Pour dire que la population est bien organisée. Je me demandais depuis tout à l'heure, je disais, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la ferraille? Et on voit que ce sont des femmes battantes, des femmes. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc c'est de 9h à 13h, ce sera ce samedi 5 octobre. Et ce sera où? À la caisse table. Voilà, la caisse table. D'accord. Des téléphones à nous communiquer, s'il vous plaît? Oui, c'est le. Ceux que l'on a ici? Oui, oui, 09 54 17 17. On reprend. 09 54 17 17. Et le 05 94 03 73. Oui. 05 94 03 73. Monsieur, félicitations, mais surtout madame. Merci. Merci. Merci à vous. Oui. Mademoiselle Zadi, madame, bonjour. C'est la rentrée académique de l'Institut Polytechnique qui s'appelle Massy Canada. Oui. On vous écoute. Merci Mariam. Je vous en prie. Je suis en effet sur ce plateau pour annoncer aux Ivoiriens et à toutes les personnes qui ont en elles une vocation médicale. La rentrée académique 2013-2014 de l'Institut Polytechnique Massy Canada, abrégé IPM Canada. Mmh. Massy Canada n'est plus à présenter avec son école primaire, ses actions sociales, ses actions sociales. Et en plus, l'Institut Polytechnique Massy Canada, qui forme depuis 2006 les agents de santé internationaux, c'est-à-dire les infirmiers sages-femmes, les délégués médicaux, les auxiliaires en pharmacie et les aides infirmiers. On reprend les formations? Les formations, il y a quatre grandes formations. Les infirmiers sages-femmes, les délégués médicaux, les auxiliaires en pharmacie et les aides infirmiers. D'accord. Et nous délivrons un diplôme international, c'est-à-dire un diplôme canadien. Vous parlez plus fort? Un diplôme. Après cette formation, on délivre un diplôme canadien. D'accord. Maintenant, les cours sont dispensés selon les normes internationales, avec l'intervention des experts en la matière par vidéoconférence depuis le Canada. Nous mettons à la disposition de nos étudiants des laboratoires de soins modernes après les cours théoriques dans un cadre universitaire plaisant. Les cours sont complétés par des stages en Côte d'Ivoire et au Canada. Le diplôme technique d'agent de santé international se fait sur 3 ans, avec 3 sections chaque année pour un coût très étudié de 675 000 francs par an. Pour plus d'informations, nous vous demandons de nous contacter au 22 49 83 83 ou au 06 11 83 83 ou encore au 06 14 03 03. Nous sommes situés à la Riviera Palmeret, rue Ministre, 5e Carrefour, à votre droite. L'école Riviera Palmeret, rue Ministre. 5e Carrefour. On entame la rue Ministre, on compte 5 Carrefour et à droite. À droite. Il y a un drapeau canadien qui survole au-dessus de. Il flotte fièrement. Oui. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Recruter à partir de quel niveau scolaire? Le niveau BPC pour les aides infirmiers et auxiliaires en pharmacie et pour le niveau BAC pour les infirmiers, sages-femmes et les délégués médicaux. Très bien. Le coût de la scolarité, vous avez dit à peu près 600 000 par an. 675 000 francs par an. Facilité de paiement, tout ça. Oui, il y a les 675 000 francs sont répartis par mois. D'accord. Et la formation est graduelle sur combien d'années? Sur 3 ans. La formation d'infirmiers sage-femme, c'est sur 3 ans. D'accord. Et les aides infirmiers, c'est sur 2 ans. D'accord. Et c'est le 7 octobre Oui, la rentrée est fixée pour le 7 octobre 2013. D'accord. On reprend la localisation et les téléphones, s'il vous plaît. Nous sommes situés à la Riviera Palmeret, rue Ministre, 5e Carrefour, à votre droite. L'école s'appelle l'Institut Polytechnique Massy Canada. Et nos contacts sont le 22 49 43 83 et le 06 11 83 83 et encore le 06 14 03 03. Merci, nous vous madame. Attendons. Merci à vous. Merci, Mariam. Tchala Kolokik, bonjour. Hé, hey, Tata. Comment allez-vous? Toujours Kitoko. Ça va. Alors, c'est le Mythic Club qui vous amène sur le plateau. Toujours. Alors, il y a un programme particulier? Toujours programme à l'échange. D'accord. Vraiment. Mm-hmm. Ce soir, quelque chose va se passer du côté du Mythic Club. Mm-hmm. Ça ne sera pas du boucan, ça ne sera pas du yaya, ça ne sera pas du ourourou, ça ne sera pas du oulé-oulé, mais ça sera un vrai tremblement de terre. Parce que celui qui a l'honneur ce soir, vraiment, c'est l'enfant noir. Il s'appelle Camara Lai. Camara Lai, c'est un opérateur économique qui fait beaucoup, beaucoup pour les artistes en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. C'est un bienfaiteur. Et le choix du Mythic s'est porté sur lui. C'est-à-dire tous les mercredis, le Mythic Club au Nord, c'est fidèle client. Et le choix s'est porté sur ce monsieur Camara Lai. Figure emblématique, figure charismatique du monde de la nuit. Ce soir-là, vraiment, quelque chose va se passer. Je suis plutôt l'écrivain, Camara Lai. Camara Lai. D'accord. Il faut venir le voir, il est mignon. C'est un bosseur.
Vraiment, il donne du bon conseil aux jeunes. Mmh. Et ce soir, il a l'honneur. D'accord. Et il ne sera pas seul. Il sera accompagné de son ami de tous les temps, Général Sultan, qu'on appelle Général Tiama, qui sera présent à cette grande soirée ce soir au Mythic Club. Et il a invité des artistes. Mmh. Il a invité des artistes comme DJ DMX, un DJ d'actualité, un DJ qui fait parler de lui, un DJ qui draine du monde. Ce soir, il viendra avec un bataillon au Mythic Club. Mmh. Il aura aussi Anderson Premier qui sera là, un grand DJ, Anderson Premier, qui draine aussi du monde. Ils seront tous présents au Mythic Club pour vraiment une belle fête. Et puis, c'est quand vous avez dit? C'est ce soir. Ce soir même. Nous aussi le président au minéral. Vraiment, le président au minéral, c'est quelqu'un qui n'est pas possible, qui n'est pas normal. Mm-hmm. Si on peut, je peux m'exprimer ainsi dans notre jargon. D'accord. Il sera présent au Mythic ce soir, président au minéral, à la grande fête de Camara Lai, le Diamant Noir, l'Enfant Noir, vraiment, ça sera une très, très, très belle fête. J'invite tout le monde. Soyez bien mis ce soir, bien habillés, parce qu'au Mythic, les tapettes, débardeurs, on ne transpire pas. On ne rentre pas en tapette. Il faut le être bien habillé. Le Mythic est situé à la rue Princesse. Quand vous allez à la rue Princesse, vous demandez la discothèque qui est d'actualité en ce moment, que tout le monde fréquente. La discothèque qui se respecte, c'est le Mythic Club. Vraiment, elle est belle. La boîte, il faut venir. Je vais rapidement donner le programme du Mythic. Voilà, on aura comme parrain artistique, je ne vais pas oublier Baby Philippe. Baby Philippe sera là. Et tous les jeudis, on a le mini-concert. Mais cette fois-ci, ce jeudi, ce sera de façon exceptionnelle. Le giga anniversaire de Robert le Vie Provençal, Roro, Eric Didia, fêtera un an de plus et il a choisi le Mythic Club. Dimanche, Rumba. La Rumba, ça commence à partir de 18h avec le groupe Motemba Pembe, DM Mix. D'accord. Tu as la parole. Je crois que tu as tout dit, donc ce soir, c'est le rendez-vous. Très bien. On va se laisser là-bas ce soir, c'est tout. Vraiment, il a tout dit. La localisation et les téléphones. Le Mythic Club est situé à la rue Princesse. Quand vous arrivez à la rue Princesse, vous demandez seulement le Mythic Club. Voilà, c'est une belle discothèque, vous pouvez venir, les salons sont parfumés, le parking est sécurisé, il a la sécurité. Rapidement, je vais donner les contacts. Vous pouvez taper le 01 05 56 20 à Bookiller, le 48 09 voilà, 02 17 Arnaud Manaja, le 07 31 94 51 et le moi-même le Tchalako, vous pouvez m'appeler au 07 73 55 63. Rendez-vous est donc pris ce soir à partir de 20h au Mythic Club. Camara Lai à l'honneur. Ne ratez pas l'occasion. Merci. Parce qu'il y aura un vrai tremblement de terre du côté du Mythic ce soir. Merci Tata. Merci à vous. Monsieur Magis Boula, monsieur bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Mariam, bonjour à tous les téléspectateurs de la RTI à travers le monde. Je suis sur votre plateau, absolument. C'est une très grande nouvelle. Chaque fois qu'il y a quelqu'un dans le monde qui lève une voix vers le ciel, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose que Dieu aime profondément, énormément. Je viens parler d'un album, qui est produit, dont l'auteur et le compositeur et l'interprète s'appelle Andy Enko, qui a son clip qui est passé tout à l'heure, et qui est un nouveau chantre de l'Éternel des armées, de Dieu tout court, et qui célèbre le Christ. Voilà. Donc cet album-là a été conçu dans de très bonnes conditions, comme vous avez dû le constater. Vous avez vu une fille qui l'accompagnait, et donc qui est en featuring avec lui, qui s'appelle la chantre Rose. Donc, qui a fait donc ses premiers pas donc dans le groupe Salve Regina, de la grande communauté du Divin Amour de Yamoussoukro, de la mère du Divin Amour de Yamoussoukro. Mais il faut dire ceci, Andy Enko, c'est quelqu'un que la télévision ivoirienne connaît. Et pour rappel, sachez simplement qu'il a été donc l'objet d'un grand documentaire de la télévision ivoirienne il y a 3 ans. Un garçon qui est parti de rien, qui était dans la rue et qui a su s'assumer pour devenir ce qu'il est simplement parce qu'il n'a jamais perdu l'espoir. La Côte d'Ivoire est la terre de l'espérance par excellence. Et il n'a pas perdu espoir et il a voulu partager ce message pour dire que le titre de cet album, qui est Prophétie, permet à chaque personne de prophétiser sur sa propre vie et de penser positivement tout ce qu'il souhaite qui lui arrive. Et il aura donc une oreille attentive de la part de Dieu Tout-Puissant, qui de toutes les façons est celui-là même qui tient les fils conducteurs de notre vie sur terre. Vous dites il est chantre, mais qui est-il devenu aujourd'hui dans la vie économique? Qui est-il devenu aujourd'hui? Qu'est-il devenu? C'est un homme d'affaires totalement prospère aujourd'hui, grâce à ses convictions profondes, à la prophétie qu'il a faite sur sa propre vie. C'est quelqu'un qui a donc qui vend des véhicules, c'est quelqu'un qui fait des locations de véhicules, c'est quelqu'un qui a une structure de communication. D'accord.
et qui est donc dans l'immobilier. Bon, il fait beaucoup de choses, mais il a voulu rendre hommage donc forcément à Dieu, le Tout-Puissant, mais surtout porter un message d'espoir en direction de ceux qui sont en train de perdre l'espoir, parce que la Côte d'Ivoire est une terre d'espérance. Mais beaucoup plus loin, il faut voir simplement qu'il y a des personnes qui disent, mais il y a quelqu'un qui est chrétien, tout simplement, qu'on ne connaissait pas, qui prospère dans un domaine et qui décide du jour au lendemain de devenir chantre. Mais il est écrit dans le psaume 150, pour ceux qui sont chrétiens, de louer l'Éternel, et c'est le but.